Hey! Salut la gang! Bien content d'être avec vous autres ce soir, parce que ce soir, on va jouer une petite partie de This War of Mine. On continue notre aventure. Continuez. Si on se souvient bien, la dernière fois, Pierre avait exploré la vieille brasserie. Ça avait brossé un petit peu, j'avais le personnage. Avait tué des personnes là-bas, donc on va retourner ce soir à explorer ce coin-là. Je vais trouver une arme. Mettre sur pause. Donc on va continuer un peu cette exploration-là ce soir. On va vérifier, voir quelles améliorations qu'on peut encore faire à notre logis. Donc ça va composer l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, jour 16, un jour pair. Qui dit jour pair, dit repas. Donc, ici, besoin de repos. On va envoyer Pierre à se coucher. Mathieu Dunard, oh, est en pleine forme, mais il a faim. On va l'envoyer faire à manger. Donc, il nous manque de l'eau. Okay. Il manque du bois, il manque un peu de tout. Durant ce temps-là, on va prendre Mathieu du Nord et on va l'envoyer juste ici. Voilà. Donc, on prend Mathieu du Nord avec. On a une hachette. Quand on a cette icône-là ici, c'est pour vraiment détruire le mobilier et nous faire des sources pour pouvoir se réchauffer. Étant donné qu'on n'a rien dans cette petite bâtisse-là, on va envoyer Mathieu de faire ça. On va aller mieux pour la neige. Ben, je suis pas sûr qu'il nous en reste une là, l'autre jour. Donc, comme vous pouvez voir là ici, Mathieu Dunard va récupérer du bois. Oh yeah, tout prendre. Ça en fait quand même pas mal. Donc, on n'aura pas besoin de. On va l'envoyer où. Ça, on va défaire ici. L'armoire. On va envoyer Pierre nous faire à manger. On a des légumes en plus. Bon, full équipe. Donc, est-ce que Pierre peut nous faire des. Manger? Il nous manque d'eau. Ok, on va envoyer Pierre chercher de la neige. Mathieu va nous fabriquer des petits filtreurs. Sur de la neige. Yeah! Parfait ça. Il a eu de la chance que je sois là pour la sauver, donc c'est pour ça aussi que tout le monde est de bonne humeur, parce qu'on a sauvé quelqu'un. Ça augmente beaucoup le... Bon, ça c'est parti. Bon, est-ce qu'on peut faire de l'eau? Oui! Donc... Fabriquer... On va envoyer Pierre ici pour aller récupérer la viande qu'on a trouvée, donc midi 30. Excellent, on a de l'eau, on a tout. Donc on va se faire 4 repas. On va réarmer notre piège.
ça paraît pas, mais ce petit piège-là, là, même si on pourrait, on pourrait en installer deux, malgré qu'on a quand même pas mal de viande, très utile pour pouvoir manger. Donc, on va envoyer Mathieu manger. Mathieu du Nord mange. Pierre, on va l'envoyer en haut aussi. Donc, Mathieu Akrapovic, on va l'envoyer frelater de l'alcool. Puis nos légumes sont prêts. On va envoyer Mathieu Dunard récupérer nos légumes. Parce qu'on va se le dire, Mathieu Dunard, c'est notre fermier. C'est notre fardoche. Bon, Pierre, lui, il va manger aussi. Il a le droit. Donc, c'est une des parties où ce que... Bon, on va manquer d'eau pour en faire. On peut-tu faire des plantes ou ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, on peut pas, on peut pas. Okay. Je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est upgrader la table. On peut pas encore parce que ah, il manque ça ici. Il manque un mélangeur. On va envoyer Mathieu nous faire un mélangeur. On manque d'eau, bien sûr. Donc, demain, fabrication d'eau durant la journée. Ça va être terminé la journée. Donc, on va retourner à la vieille brasserie parce qu'il nous restait quand même pas mal de stock là-dedans. Et qui qu'on envoie? Ben, bon, Mathieu Akrapovic a besoin de repos, donc on va dormir. On va envoyer Mathieu du Nord, tiens. Puis, Pierre va monter la carte. Dormir, partir collecter, monter la carte. Ça, c'est bon. Et voilà, c'est parti. Convaincu qu'on va tout garder ça, mais on va tout prendre pour l'instant, puis on fera le tri là, une fois. On va juste vérifier qu'on n'ait pas de nouveau méchant qui soit apparu. Si la porte est fermée. Bon, la porte est fermée, mais il me semble que moi je l'avais laissée ouverte. De l'eau.
c'est l'heure des choix. Donc. Toujours privilégier les matériaux. C'est ce qui va nous permettre de se construire des trucs, là. Ça, il y en a deux de ça. Ma femme, qui en avait beaucoup... d'alcool de contrebande, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut laisser tomber? On va aller voir ici qu'est-ce qu'on a là-dedans. Ça va peut-être nous donner une idée. Il y a la roue dentelée là, qui me tente pas mal. On se souvient, j'avais laissé ma barre à clous là. Quand même passablement de réserve de nourriture. Bon, il n'y a plus rien là. Donc, c'est ce qui fait le tour de la brasserie. On n'aura pas... On n'aura pas besoin de revenir. Vite ce Mathieu-là. Mathieu est de retour. Oh, les jours de grand froid sont terminés. Cool! Un petit printemps. Bon, donc, Mathieu a besoin de repos. On va l'envoyer se reposer. Ici, à Kropovic, toujours faim, mais ce sera pas aujourd'hui qu'on va manger. Et on va aller upgrader notre tab. Ah, Pierre a besoin de repos aussi. Tiens, on va l'envoyer tout ça de se coucher, ça va être fait. On va aller récupérer notre... lever notre piège. Parfait. On va réarmer notre piège. Parfait. OK. Bon, il commence à faire froid. Il fait 10 degrés. On va aller se faire des légumes. Non, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux faire des légumes. Là, je fasse attention. 8 légumes. 7. Ah ouais. Oh yeah. Donc ici, là, on peut voir là, les réserves alimentaires. On a 6 alcools, 4 légumes, 12 viandes et 6 cannes de conserve. Donc on est bon pour un petit bout. OK.
On va upgrader notre table. Ici, on a Pierre qui va nous faire la tête de l'alcool. Parfait, ça. Et notre Mathieu, lui, il peut nous faire quoi durant ce temps-là? Tiens, nos trois mâles alpha sont occupés. Mathieu Dudard va nous montrer ses talents à la guitare. On a déjà vu mieux. Donc... Jour 17, c'est avec plaisir que nous vous annonçons que le temps s'adoucit. Les températures devraient continuer à augmenter dans les prochains jours. Voilà qui apportera peut-être un peu de soulagement aux citoyens de Pogorem. Bon, parfait ça. Moi, c'est ça ici que je veux voir parce que c'est quelque chose que j'ai rarement eu le temps de pouvoir vérifier. Surtout avec un gars comme Akrapovic qui s'y connaît en médicaments. Donc, avec cette petite table-là, on va pouvoir peut-être faire des miracles. Donc, pour faire des bandages, ça nous prend de l'alcool pur, des matériaux et du branchage, des herbes, faire des cigarettes, faire des médicaments de même, faire les pilules qu'on a ici. Alors, regardez, là, les comprimés qu'on a ramassés, là. Ça a très une grosse utilité rendue là, donc on va se faire deux pots de pellules. Qui vont être très utiles pour le troc. D'ailleurs, on n'a pas vu le monsieur du troc aujourd'hui. Tiens, on va se mettre un petit peu de bois dans le poêle, et on va terminer la journée là-dessus. Je pense que c'est déjà bien parti. On va envoyer Pierre collecter, Mathieu du Nord monter la garde, et Akrapovic dormir. Maintenant, on va où? Ah, ben écoutez, on va aller dans une maison close. Si vous voulez une partie de jambon en l'air contre une conserve de viande, vous êtes au bon endroit. Les mères sont prêtes à assouvir bien des envies contre de la nourriture pour leurs enfants. Ce bâtiment est grand et bien gardé par des voyous locaux. Ils ont quantité de nourriture et cherchent à l'échanger. Ah, ouais. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous autres pour l'instant. Bon, le parc, la vieille ville. Garage. Je pense qu'on va aller faire un tour au garage. Avant la guerre, on pouvait y faire réparer sa voiture. C'était une affaire familiale décente. Un fils impulsif et son vieux père. S'ils y vivent toujours, ils accepteront peut-être un échange. Sinon, nous y trouverons certainement des pièces utiles et peut-être de la nourriture.
un hôtel petit mais luxueux ayant autrefois appartenu à l'agence de voyage de Pokoran. En ce moment, il est occupé par des voyous armés. C'est ce que ça nous prend? Bon, ok. Mathieu... Non, finalement, on va envoyer... Ouais, partir Pierre, partir collecter. Parfait. Tiens, toi. Sauf qu'on va s'équiper solide. Et... Donc, on va emmener une pelle des fouets que... Oh, ça devrait être intéressant. Autrefois noble et radieux, il n'est plus que l'ombre de lui-même, tout comme nous. OK. Ah, voyez-vous ici, là, direct en partant, j'ai bien fait d'emmener une pelle. On commencera pas par là, étant donné qu'on sait qu'il y a des voyous, on commencera pas par faire du bruit, là, on va aller visiter en haut un peu avant. Regardez ça ici. Quelqu'un a laissé un message. Thomas, le passeur dit que nous ne pouvons plus attendre. Rejoins-nous à minuit au port. Si tu le peux, je prie pour toi. Quelque chose me dit qu'il n'y a pas pu. Méchant, méchant, méchant. Bon, il n'est pas là. On va aller voir au 3. Ces cadavres sont horriblement mutilés. Ces blessures ont été infligées avec une telle cruauté. Les responsables ne peuvent être qu'un psychopathe dérangé. Oh yeah! Et le voilà notre psychopathe dérangé. Oh yeah! Un fusil à pompe, ça fait un job en bataille. Ça, je peux vous le dire. Tiens, les méchants psychopathes. Encore du bruit ici. Pas d'outils pour ouvrir la porte. Non. Ça, mais y a un gars qui est tombé ici.
Bon, ben désolé, gang. Encore une fois, caméra sur chauffe. Vous connaissez l'histoire. C'est pas la première fois que ça arrive, mais bon, que voulez-vous? Fait que, on continue. La 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 la, ouais. Ouais. Carole, faut pas j'oublie. Pas ça savoir rien là. On a un cadavre ici qui a disparu. L'impression qu'il va falloir revenir à l'hôtel la nuit prochaine. Ouais, ouais. On va avoir toute une grosse partie qu'on n'aura pas encore explorée, fait qu'on n'aura pas le choix. Donc, jour 18, on va terminer cela pour cette aventure-là. Je suis de retour et j'ai des bandages. Les bandages. On n'avait pas besoin. Nous avons été pillés. Oh! Quelqu'un a essayé de nous voler. C'était un groupe de durs à cuire, mais nous avons réussi à les repousser. Par chance, nous étions tous armés. Que d'entre nous n'a été blessé, les agresseurs n'ont rien volé. Ça a coûté 5 balles. 5 cartouches. Donc, la gang, prochaine aventure, on retourne à l'hôtel et après ça, on va aller explorer un nouveau coin. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.